parti d'Avalon. Et là, c'était une histoire de voyage d'explorateur qui imagine à son retour toutes sortes de créatures plus ou moins imaginaires, mais peut-être basées sur des faits réels, on n'est pas trop sûr. Enfin, ça reste à voir. Vous avez vu beaucoup d'absinthe ou pas? Tu avais vu beaucoup d'absinthe quand tu as écrit cette histoire? Voilà, cherchez pas. Donc on vous emmène en voyage avec nous et